Hello tout le monde, c'est Mio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 31 de God of War. Donc dans le dernier épisode, on était monté au sommet de la montagne. On avait réussi à ouvrir le passage pour Jotunheim, sauf que Baldur nous est tombé dessus. Manque de peau. Et il a embarqué Atreus sur le dos du dragon. N'importe quoi. On a dû se fight sur le dragon et tout. On est retombé sur le à Midgard, sur le truc central là. On est parti à l'intérieur. Et il nous a fait atterrir. Enfin, s'en est suivi un combat, n'importe quoi aussi. Et au final, on est atterri à Helheim. Helheim. Bref, vous avez compris. Et du coup, bah là, on était en train d'avancer pour sortir d'ici. Et c'est là qu'on s'était arrêté au dernier épisode. Donc, et bah, les amis, c'est parti. On continue. Let's go. Et j'espère que tout le monde va bien. On s'était arrêté juste ici. On avait réussi à ouvrir le coffre. Et il n'y avait que de la même à l'intérieur. Et là, on va au niveau du bateau. Voilà. Je ne suis pas certain qu'il puisse naviguer. Bah il ouais, faudra. Je pense pas non plus. On peut déblayer ça. C'est ça. On change tout d'abord. On va garder peut-être les autres, c'est pas où qu'on doit se fight. Voilà, on fait le ménage nous. Hein. Toute la ville, on va la garder. Est-ce que cette chose va flotter avec toutes ces ronces? Ah non, justement, c'est pour ça qu'on doit faire le ménage. Là c'est pareil. Bon là on s'en fout. Là faut que je déblaye. J'ai besoin d'espace. Ça c'est pas obligatoire, c'est juste pour le fun. Je vais t'aider. Qu'est-ce que je peux oh, non, faire je peux pas passer. Tu en as assez fait. Non, je vais aller casser là-bas. Je suis une psychopathe, j'ai besoin de tout casser. Mais ça va pas vraiment pas bien. Allez, le mal fric. Mais je peux pas aller les récupérer. Ah bah faut que je montre le truc peut-être. Bon bah je vais essayer de tourner. Attends. Je t'avais pas fait. Je vais essayer de tourner le truc, le machin, le bidule là. Peut-être que ça va débloquer. Et là peut-être que je pourrais passer en dessous. Ouais c'est fou. Et c'est quoi ce vent là? C'est quoi ce truc? Ah non je dis bêtise, c'est la fumée noire. On avance. Parfait. Mais n'oubliez pas, ce bateau ne peut que nous rapprocher. Le temple de Tyr est au sommet d'une immense chute d'eau et, hélas, nous sommes en bas. Même si nous y arrivons entiers, il nous faudra encore remonter la cascade. Les vannes ont construit le plus grand navire qui soit. Ils volent. Qu'est-ce Blasnir? Oui, parce qu'il était conçu pour. Pas celui-ci. Peu importe. Nous n'avons que ce bateau. Nous ferons avec. Il y a un peu un iceberg là, les gars. C'est qui est pilote là? Ah! Sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins le feu nous réchauffe. Et maintenant? Ben maintenant, il n'y a pas la. Il n'y a pas piloter. Maintenant? Je peux pas monter, descendre, faire quelque chose? Y aller, je dois faire quoi? J'essaye de ne pas être impatient. Laisse ton père réfléchir. Tais-toi juste, s'il te plaît. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Tu te découpes? Bien, voilà. Maintenant, les voiles sont libres. Regarde. Et tais-toi surtout parce que tu me saoules. Parle trop en vrai.
C'est reparti. Ah, tais-toi. Je me dis, il faut se taire et observer, c'est mieux. Allez, let's go. On flotte. La chaleur des flammes, elle nous fait flotter. C'est pas vrai. Par contre, on va pas être grillé. Hein? Et nous revoilà coincés. Pas pour longtemps, reste sur le bateau. T'inquiète. C'est incroyable, t'as fait une grande lanterne volante. Attends tout en sang, qu'est-ce que... On ne casse pas ce truc. J'en ai besoin. T'as son... J'ai de la vie déjà, j'en ai pas besoin. Alors attends. D'accord. Ah, peut-être passer par là, d'accord. On est coincé sur ce pont. Je peux faire quelque chose ? Je t'ai dit de rester sur le bateau. Rester sur le bateau. Oh yeah. Maintenant ça, un petit coffre légendaire et ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Ah, une nouvelle attaque tempête d'Icar. Fais voir. Ouais, sympa. On va tester. On va essayer, on verra. Je préfère quand même l'autre. Bon, ici il n'y a rien d'autre de toute manière. Mais. Pouah, je suis trop ouf! Putain. Qu'est-ce que je fais? Et maintenant, comment je monte? Que je le fasse encore. Allez, reste tranquille, laisse-moi descendre. Et donc là. Et... Hop, bonjour. Eh, comment je fais? Comment je fais? Pas monter. Il se peut basculer. Le bateau est coincé par le pont de ce côté. Je vais pouvoir passer. Je vais pouvoir passer là. Ok, et du coup... Faire quoi? Ah, mais il était là, tout. Ils savaient que j'allais faire de la merde et du coup, ils sont dit non. Il faut absolument qu'elle puisse remonter cette tâche. Parce qu'il était évident qu'elle aurait oublié de faire le truc principal. Ah, mon dieu! Ça a marché! Bonjour!
Attends-moi là. Bon, bah, ils sont partis avant moi, hein. Voilà, allez. Atreus. Je peux t'aider ? Ensemble. Ouais, tu peux. On a réussi. On est libre. Et ouais. Quitter LA. On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père. Il est temps d'en finir. Oui, mon fils. Il est temps. Non. C'est encore cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est ? Je ne sais pas. Comment ? Cieux de LM. Iceberg ! À bâbord ! Accroche-toi ! Combien de temps avant d'atteindre le temple ? Oui, on va geler. Si on parvient à maintenir cette vitesse et que les flammes ne s'éteignent pas, on y sera en un rien de temps. On va passer un peu. Ah. Elle est éliminée ! Il est où, lui ? Ah. Ils éteignent le feu ! À Baba ! Ah,
Allez, tes lames. Putain, je fais rien. C'est pas très intéressant, c'est quand même une attaque. Je serai éteint. En avant. Je l'ai envoyé en pleine gueule, ça va ? Tout ça, c'est bon. Ah, il est super massif. Allez, allez, je reprends tout ça. On est libre ! Vincent, il est super massif là. Reste allumé. Et si je te disais qu'il est magique? Oh, c'est l'âme. Ok, ensuite. Bouchon? Au revoir. Non, tu m'as pas vu. Promis, je suis pas là. On va vers là. Ils étaient complètes là! À peu près!
D'autres harpons! On est encore arrêté! Frère, le bout de bateau s'est fait harponner! C'était ça ton idée? Vous êtes tous les deux malades! Les chiens font pas de chat. Ce royaume, maintenant! Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour! T'inquiète. Les routes mènent à Rome, on t'a jamais dit. Non.
n'aura pas tout perdu. Oh, en plus, c'est trop bien. Œil du royaume extérieur. Ajoute un bonus à toutes les stats. Fais voir ça tout de suite. C'était l'éclat de tir qui était comme ça déjà, je crois. C'est un poil mieux. La chance, j'en ai rien à foutre. On va le mettre. Et à en vrai, je peux même changer un autre truc. Ça, mettre l'éclat de tir en plus. Ouais. Ah, on est bien là. Ok. Ensuite. Ok. Tu m'as gêné. On peut maintenant. Je pense que c'est là qu'Odin conserve ses meilleures pistes sur Jotunheim. Ouais. Les recherches de la tour manquante, les recherches de la tour de Jotunheim n'ont toujours pas abouti. À Midgard, comme dans tous les royaumes où elle se dressait autrefois, il ne restait désormais plus qu'un écho mystique de sa présence. Si elle avait été détruite par la force, il en resterait des vestiges. Mais cet étrange écho suggère l'emploi de la magie. Elle doit encore exister, quelque part. Notre horde d'espions loyaux continue de grandir. J'ai bon espoir que nous finirons par la trouver, où qu'elle soit. Le gardien corbeau. Ok, bon. Next. Sortons d'ici. Pour une fois. Belle, nous sommes chez Odin. Je reconnaîtrai son mauvais goût entre mille. Tiens, ton bon, voilà. Tiens, je casse tout chez toi. Tiens, mais une fois de dernier, tu fais jamais ménage ou quoi? Regarde! Oh, l'autre partie. C'est pas nos manquants à propos de tir. Odin a dû le voler. Mais pourquoi? Il a toujours ses raisons. Je peux voir. Oui. Eh bien. Oh, regardez, ne serait-ce pas une clé au milieu? Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? La clé. Je n'en ai aucune idée. Il nous manquait. Étonnant, hein? Tête. Là, voilà Tyr. Ouais. Il voyage, j'ignore comment, peut-être par magie. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là. C'est celui qu'il a. Oh. En tatouage. Ses yeux, ce sont des joyaux. Comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, ouais. S'il te plaît. Eh, non mieux que ça, vous. Intéressant. Ah. Très intéressant. Ouais, qu'est-ce que bien. C'est? Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès. Ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et toi? Juste sous le nez d'Odin. Je vous avais dit que je vous conduirais à Jotunheim. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Si. Tu ne comprends donc pas. Odin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé? Je suggère de demander à Anne. Oui, on en connaît deux, ça doit. Non, en plus, ils sont plutôt doués. Mais,
Je crois que je sais quelle porte ouvre cette clé. Moi aussi. Près de l'eau. Tu te souviens? Ouais. Bien. Bah oui. Franchement, pour ceux qui n'ont pas suivi, facile à trouver. Tout est expliqué. Allez, dommage. Je casserai tout, je m'en fous. Non, quand même non. Allez, casse. On casse tout. Mais... Fou, j'ai dit. Oh, pas possible, ça. Alors, ensuite, c'est par où la sortie, sinon? Et toi, t'as tes blagues. T'as vu quoi? T'as vu quoi? Ah ah! Bah, de toute façon, en même temps, y a pas le choix. T'es mignon. Fais genre, c'est toi qui as trouvé. Atreus. Tout à l'heure, ce que tu as vu. Je n'ai rien vu. Si, t'as vu, arrête de mentir. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un. Un vieillard. Ton Quel père, vieillard en fait. Si, il a vu, hein. Il sait très bien. Ah, oui. Il sait très bien. Il est loin d'être bête, ce petit. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain? Quelque part. En plus, c'est question. Allez. Midgard. Mais je suis bête, on peut aussi aller bien tête. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya? Mais oui, je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant je le sais. Quand je pense à Baldur et Freya, je... Bien. Oui, mon enfant. Freya. Qu'y a-t-il, mon frère? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment? Mais oui, c'est l'évidence même. Oh, je me demande bien depuis quand. Quand elle a eu ma tête entre les mains ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur? Mimir? Oui, mon enfant. Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur? Ah bon? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Oh. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Tout le monde a un point faible. Mais d'abord, on va aller à Niflheim. Parce que je suis curieuse. C'est lequel? Celui-là? De Baldur était Frigg. Ah, Frigg, c'est une sorte de nom doux, si tu veux. Ça veut dire bien-aimé. C'est comme ça qu'Odin appelait Freya après leur mariage. J'aime à croire que c'était affectueux au début, mais quand les choses se sont envenimées, c'est devenu un moyen de manipuler la vérité. Comment ça? Odin refusait d'admettre qu'une déesse Van puisse faire quoi que ce soit pour Asgard. Alors, tout ce que faisait Freya, il l'attribuait à Frigg. Comme donner vie à Baldur. Et oui, Freya a toujours été la mère de Baldur. Niflheim.
Je me demande comment c'est à l'intérieur. Et un nouveau point. On ne voit rien, ce qui est tout à fait normal. Bon, dites-moi ce que vous avez trouvé. Améliorer les lames du chaos, ben bien entendu. Ouh, il a des nouvelles choses, voyons voir. Mais d'abord, je vais améliorer mes lames. Non, on va les pour avoir de nouvelles compétences. Très bien. Protection avant-bras, j'en ai rien à faire. Ça, enchantement. De quoi ? Ça va être un misplay numéro 2. Il va me dire. Alors, écho de brume, alliage, armure rouillée, il va le dire. Nanana. Ah, purée. Ce qu'on a, c'est du fric, quoi. Et alors là, c'est. Trop bien. C'est trop bien. Il faut juste que je retire les trucs. En fait. Oh, les stats de... Mais... what? 1500? Bon, en même temps, celle-là, elle déchire. Elle déchire, celle-là. Oh, la vache. Oui, maudite. Ouais. 1500. Écho et 5 alliages, donc peu importe laquelle je prends, celle-là elle est quand même mieux, bien entendu. Quoique 28, 22, 58, 16. Là, on a des stats plus forts en défense et en vitalité. Et on verra après quand j'aurai enlevé les trucs. De toute façon. Protection des avant-bras, bah du coup, on prendra ça. Par contre, elles sont moches. Je vais voir. Ah non, celle-là, elle est stylée. Non. Celle-là, elle est plus stylée. Dire un dragon. Celle-là est pas mal aussi. Mortelle. Maudite. Éternelle. Je sais pas. Dans mon bras. Protection de la taille. En vrai, je comprends. Alors que c'est pas étonnant. On verra. Oh la vache, les amis, on a encore vu là les trucs. Après, il n'y a rien de moins. Pommeau de hache. Poignée du dédale. Non, mais laissez-moi, moi je suis un truc trop bien. Mais 1000, c'est vrai. Invoque un brouillard purificateur qui restaure un peu de santé et permet à Kratos de rester plus longtemps dans la brume maudite. Oh, je le veux. Je le veux. Ah là, je veux trop de trucs, les gars. Allez, que je serai là s'il y a besoin d'autre chose. Ouais, ouais, t'inquiète. On va essayer de pas crever déjà dans un premier temps. Allez, c'est parti. Découvrons un nouveau monde. Ah, Niflheim. On ne peut pas dire que ce soit une destination très populaire, mais nous y voilà. Oh, quelle odeur! Bah quoi? C'est pas moi? Et... Quoi, ça sent la mort? Ah ah, je savais! Je sais. Ah, ou Kratos vint comme ça.
Une drôle de matière. Qu'est-ce que c'est que ça? La brume est maudite. Ah. Maudite? Il a raison. Il n'y a pas de danger pour l'instant, mais elle nous tuera si on s'y attarde. Une raison de plus d'aimer Niflheim. Un coffre. Je vais avoir un nouveau pouvoir. Non, je vais aller par la porte, si je suis. Il n'y a rien du tout. Mais là. Mais il y a un coffre. Et 22. Et. Là, regarde. Dis-moi. Oui, père. Voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? La malédiction d'Ivaldi. Faites demi-tour. Sur ce lieu pèse la malédiction d'Ivaldi, dont les talents menaçaient les dieux d'Asgard. L'alchimie de mon père a transformé la brume de Niflheim en arme et l'a retournée contre son créateur. C'était un inventeur et un artisan hors pair, mais son adresse et son génie ont attiré la colère des As. C'est pourquoi moi, Mozognir, je renonce à ces terres. Je renonce à l'héritage des nains. Je m'en vais chercher refuge et exil à Midgard. Ceux qui ne fuient pas de ce royaume iront rejoindre mon père dans la tombe. Mozognir, fils d'Ivaldi. Compétence. On va débloquer tout ça. Yes, yes. Et c'est quoi? Changer de posture en marquant une pause après une attaque avec les lames du chaos. Une fois dans la nouvelle posture, appuyez sur R1 pour porter une série de coups. Plaque. Plaque. D'accord, en fait, il faut faire une fois et après, t'enchaînes. Yes. Et là, petite explosion incendiaire à l'impact. Ouais. D'accord, en plus, ça fait... En plus, ok. J'oublie ça. Faut que je pense à le faire, j'oublie à chaque fois. Ok, bon. Sur le côté là, il y a quoi? Ah, comment je fais pour l'avoir? Je vais avoir trop mal. Il n'y a rien au bout. Oh, je vais quand même le faire, tant pis. J'ai le droit de rester un petit peu dedans. Allez, c'est bon. Wow, toi, tu t'avais pas vu. Putain, heureusement que je suis revenu en arrière. Et ça, je l'avais fait. Ok, là-bas, je suis en arrière. Il n'y avait pas de coupe là-bas. Non. Ah, t'es là, toi. Ah! Quel plaisir de vous voir ici! J'en dirais pas autant. Je suis méchant. Ça m'étonne de te voir ici, Sindri. Cette brume est répugnante. Tu crois qu'une petite brume maudite va m'arrêter? Oui, tu as raison. Ouais, j'essaie de fabriquer une armure qui atténue ses effets. Les matériaux dont j'ai besoin sont tous ici, dans l'atelier d'Ivaldi. Mais ils sont couverts de cette immondice, bien sûr. Attends. Autant que je sache, cette armure se trouve actuellement dans la salle centrale de l'atelier. L'entrée est scellée. Mais je peux vous faire une pierre de passage avec assez d'écho de brume. Bien. Voilà. On va faire ça en priorité. Et du coup, bah aussi. Évitez de passer trop de temps dans la brume. Cette puanteur risque de s'incruster dans vos cheveux, vos armes, vos armures. Quel et je refuse. C'est une blague. De toucher votre matériel tant que vous n'aurez pas brûlé toute cette vermine dans les feux de Muspelheim. Fous de ma calvasse. Puis, ça vous tuerait. Pensez à ménager votre temps pendant votre quête d'écho. Je sais que vous avez tendance à casser des pots et à détrousser des cadavres, tous les deux. C'est pas vrai. Arrête de dire des trucs comme ça. Il y a quelque chose d'écrit.
Ces ruines maudites renferment de rares échos de brume qui servent à fabriquer de magnifiques armures. J'ai cru comprendre. Les ennemis pièges et trésors sont réinitialisés quand vous revenez. Prenez tout ce que vous pouvez et échappez-vous si vous ne voulez pas être la prochaine victime de l'atelier. Donc, ça repop. Cet endroit se renouvelle à chaque fois qu'on part. C'est incroyable. Atreus, concentre-toi. Cet endroit est dangereux. Bel exemple de la créativité des nains. Impressionnante et dangereuse. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ce truc qui est apparu derrière? Oui, il y a ça, il n'y avait pas il y a deux secondes. Attends, je sais pas si j'ai fouillé. Ok, comment ça? Combien il y en a là? Oh! Ok, là y'a plus rien. Mais c'est un labyrinthe le truc. Oh, je vais mourir. C'est pas vrai. Combien de ces faux? Trouver des échos de brume dans l'atelier devrait être facile. Rester en vie, en revanche... C'est une blague? Vous vous tenez sur le seuil de l'atelier d'Ivaldi, un monument érigé à la grandeur de l'ingénierie des nains. Pourquoi ça sent si mauvais? C'est infect, n'est-ce pas? C'est une longue histoire, mais pour faire simple, Ivaldi a joué avec des forces qui passaient et vous en signalez les conséquences. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis coincée ou alors je suis trop débile, je sais pas. Du coup, ça réinitialise, je pense. Ça, tu réinitialises.
chemin là, j'avais peur. Hein? Non, je peux pas y aller. Je me demande si on sera encore ici. Ouais, c'est tout de même. Des loups! Derrière toi! Oh, c'était tellement c'est pas possible. Mais je comprends pas les symboles là, ils s'allument, ils s'éteignent, il se passe quoi. Et là où il y a un truc de... C'est pas là. Il a l'air de fou, hein. J'ai pas beaucoup de temps, je vais crever. Je sais même pas combien il faut que j'en ai. Et par là, j'avais pas ce symbole. J'ai perdu trop de temps là déjà. Allez, enchaîne. Oh!
je n'y ai pas vaincu. Voilà, crève. Allez, allez. Vite, un coffre, vite, 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 un coffre. Ça remet, ça remet, ça remet quand je prends un coffre. Allez, allez. Allez, allez, oui, c'est bon. Allez, vite, il y a un coffre légendaire. Vite, 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 vite. Allez, c'est bon, ça remet. Allez, 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 faut vite que je trouve le chemin. Non, non. Je viens de là. Donc c'est par là. Ok. Oh putain, non. J'ai pas le temps. Je sais pas où c'est. Oh putain, il y en a une là. Je sais pas où sont les autres. Ah là et là. De toute façon, je vais me faire. C'est pas bon. C'est pas bon. On va bien. Allez, j'ai pas le temps, putain. Non, il m'a tué. Oh, fais chier, j'étais presque, putain. C'est trop dommage. Je vais recommencer, mais je vais revenir que jusqu'à ce niveau-là. Je vais pas tout vous remettre. Oh, putain, je vais commencer. Une autre Valkyrie. Ici, Annie. Ah, non, non. Aïe aïe aïe. Non mais elle va être impossible. Tu veux faire quoi? Je suis dans la brume. Non non, faudra que j'arrive à le faire là, c'est mort. Et ben Mani qui est mon truc. Non, voilà.
voilà, il fallait que je tombe sur une putain de Valkyrie à ce moment-là. Ah, je suis revenue au début, d'accord. Je pense que j'en ai assez. On va après. Frère, tes forces te quittent. Et pas que si je sors. Oh, on dirait que vous avez assez d'écho et vous n'êtes pas mort. Très impressionnant. Comment c'est possible de forger la brume? Aussi étrange que cela puisse paraître, les nains qui vivaient ici faisaient des merveilles avec les brumes de Niflheim. Continuez à guetter les échos de brume. Ils peuvent me servir à un tas de choses. Oh, ce sera un plaisir de... Ah, purée. Pierre de passage de Niflheim. On sent quand même, hein. Il se fait pas chier, lui. Alliage et armure rouillée. Ok, et ça je trouve ça où maintenant? Là, je vais aller la placer en fait. Quoique là ça fait quand même longtemps qu'on est sur le jeu. Donc les amis, en fait on va s'arrêter ici pour cet épisode. Oh, on dirait que vous avez assez d'écho et vous n'êtes pas mort. Très impressionnant. T'arrêtes. Donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. On ira installer la pierre dans le prochain épisode. Je pense qu'on fera, je referai un ou deux petits tours histoire de ramasser pas mal de matériaux pour pouvoir améliorer mon armure, bien entendu. Donc on se garde tout ça pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un max de pouces bleus, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous pourrez suivre ce let's play en ma compagnie. On se dit à très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Bye!